Wesh les petits potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le pass de combat de la saison 4 de Modern Warfare. Alors déjà on aperçoit que le lobby a changé, donc ça c'est cool. Alors maintenant je vais vous montrer le pass de combat, donc je viens de l'acheter. Alors le premier skin qu'on débloque c'est le Capitaine Price, voilà, une variante, une apparence. Alors ensuite nous débloquons Cascade, donc une apparence de Rodion plutôt, excusez-moi. Alors là on a un équipement de klaxon, de chevaucher des Valkyries, donc on n'entend pas vraiment. J'entends pas vraiment le bruit. Donc voilà, je ne serai pas à vous le faire écouter. Alors là on a un boost d'XP de la saison. On a un plan d'arme insensible, donc dans l'arme de points bravo. Nous avons une carte de visite swap. Un jeton double XP d'arme. Un emblème liberté à tout prix. Un plan d'armes de corps à corps alpha, donc c'est sûrement le couteau de prisonnier, voilà, prisonnier 627, 100 points code, 1 heure de double XP, voilà. Alors un plan d'armes mitraillette Foxtrot Harpy, ok. Alors une apparence de véhicule Serval, ouais, pas mal. Une apparence de 1000 sim Urzikstan, SSJG1. Voilà, t'as même de ces beubarbes, laisse tomber. Nous avons un autocollant sapeur, les 100 points code, 1 heure de double XP d'armes, c'est un spray, voilà, un spray qui dessine le soldat que vous voyez à l'écran. Alors, une arme gratuite qui est le Fennec. Apparemment, ça doit être une nouvelle arme, je pense, je ne suis pas sûr. Fennec, arme commun, ok. À mon avis, c'est une nouvelle arme. Hein. Je pense que c'est une nouvelle arme. Alors, carte de visite, aucune crainte. 100 points code. Un plan de mitrailleuse alpha lumière du crépuscule. Elle est vraiment pas mal avec ses couleurs bleu mauve comme ça. Bleu mauve rose. C'est pas mal. Une exécution opérateur école buissonnière. Ah ouais, ok. Je pense qu'il a une matraque et il le défonce avec sa matraque. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Bam! Ouais, c'est pas mal. Alors, une apparence de talon, Wind River. Ok. On peut le voir aussi, hein. Je pense qu'on peut le voir. Hein. Ouais, il est pas très ouf, hein, avec son blouson bleu, je l'aime pas trop. Plan de fusil d'assaut Golf, regard vide. Ok. Un jeton double XP, des points code. Alors, un porte-bonheur. Babiole, il est pas mal, je trouve, j'aime bien. Un consommable jeton double XP d'armes. 30 minutes. Apparence de véhicule terre d'embuscade. Ouais, vite fait. Un plan de fusil à pompe écho. Donc coup sans recul. Après, je suis pas trop fusil à pompe, mais j'avoue qu'il est stylé. Alors un spray couleur grenade. Ouais. Une grenade un peu stylée, ça va. Un jeton de double XP de 15 minutes. Une apparence 1000 sim, donc USMC Raider 1. Attends, j'ai envie de voir un peu à quoi il ressemble. Ouais. Ouais, vite fait. J'aimerais bien voir celui avec la grosse beubarbe en fait, parce que je suis passé dessus, mais je l'ai pas tes mains. Ah ouais, celui-là est quand même pas mal, tu vois. C'est sa beubarbe que je kiffe de ouf, quoi. Ah putain. Elle est quand même pas mal, celui-là. J'aime plutôt bien. Après, ça équivaut pas mon petit ghost, hein. Mon petit ghost, c'est mon préféré pour l'instant. Ok, donc on était à celui-là. Maintenant, on a une nouvelle arme, je pense. Hein. C'est le CR56 AMAX. Ok, une nouvelle arme. Ensuite, nous avons 100 points code. Une carte de visite montagne à gravir. Ouais. Une montre mini-carte. Ah, une montre mini-carte. Ouais, pourquoi pas, ça fait stylé. Ouais, j'aime bien. Alors, un plan de fusil tactique Charlie. Donc, vieille... habitué. J'ai habitué, c'est un sniper. Ah non, c'est un fusil tactique, ouais, je viens de le dire. Mais il a l'air pas mal. Hein. Elle est quand même stylée. Hein. En rouge et gris comme ça, ouais, ouais, pas mal du tout. Alors, un double inconsommable, donc jeton double XP d'armes 45 minutes. Un emblème G2D avec la faucheuse, ouais, stylée. Alors, un plan d'armes de point delta. Donc, un arme de point delta. Marteau azuré. Je la trouve pas mal. Hein. Dynamique. Ouais, elle est quand même pas mal. Hein. Stylée la petite variante.
Un petit plan d'armes. Alors, en apparence de véhicule rocher de l'aigle. Fouti. C'est un peu de style hein, sur le quad là, comme ça. Enfin, sur le, la voiture, la Jeep. Avec l'aigle et tout. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal cette apparence. Alors, une apparence azur contraste. Ok, voyons voir un peu le personnage. Ça va. Ça va, il est pas mal. Son petit kéfier là sur sa tête. Ouais, j'aime plutôt bien, ça va. Alors, consommable 100 points code. Un plan mitraillette Delta. Couche de glace. Mitraillette Delta. Oh putain, elle est trop stylée. En or et blanc comme ça, ah, elle cartonne. Hein. Waouh. C'est l'usine ça ou quoi? Je rêve. Donc, c'est ça, l'usine? Non, non, c'est pas trop. Alors, consommable jetons double XP de 1 heure. Attends, ouais, c'est ça. Autocollant infiltration. Ah, ouais, les autocollants que tu peux coller sur tes armes. Je pense que c'est ça. Ça a l'air pas. Ouais, ça, ça va. Ça va. Plan mitrailleuse Charlie Duchesse. Plan mitrailleuse Charlie Duchesse. Une grosse batteuse. Ouais, ça va, vite fait. 15 minutes de double XP d'armes. Un spray calme au fond. Calme explosif. Ouais. 100 points de code. Une carte de visite réflexe. Elle est animée celle-là. Elle est plutôt pas mal. Alors, apparence 1000 sim. Lagunari 1. Alors, voyons voir ce que ça donne. T'as son béret comme ça, bleu-vert. T'as, il a une boue de sauvetage. Ah non, c'est un gilet pare-balles, wesh. Ouais, ça va vite fait. Alors, plan de fusil d'assaut Foxtrot, gay et bleu. C'est la M4 ça. Hein? Ouais, mais elle est pas super belle. Alors, un emblème lanceur de roquettes. Un consommable double XP de 15 minutes. Un porte-bonheur bas de plafond. Ouais, c'est pas ouf. Je préférais l'autre. Plan d'armes de poing éco. Marteau. Ouais, ça va. Ça va, vite fait. 100 points code. Jeton de double XP d'armes de 1 heure. Autocollant cours de cercueil. Ouais, ah, il est pas mal. Si je peux le mettre sur une arme, il est pas mal celui-là. Plan fusil tactique Charlie. Donc corne de sel. On va voir. Avec du bois. Des faits en bois. Ouais, ça a du style. Ça a du style. Alors, apparence Alice, superstitious, je crois que ça se dit comme ça. Ah, moi j'aime bien les skins meufs. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Hein. What the fuck, elle a des lunettes sur son épaule gauche. Ok. Hein. Alors, spray amour éternel. Oh, ça, ça est vraiment dans la petite femme, ça. Alors, montre ligne rouge. Ok. Consommable jeton double XP de 30 minutes, carte de visite, bonne soirée, allez, ciao, peace. Plan mitraillette, mitraillette bravo, sous bois. Comme on a vu, elle a une apparence en bois, le dessous est en bois, je suppose. C'est pour ça qu'elle s'appelle sous bois, je pense. Ouais, pourquoi pas. Alors, consommable 100 points code, emblème cartouche. De roquettes. Alors, consommable double XP d'armes 30 minutes. Porte-bonheur fureur lointain. Ah, il est pas mal le porte-bonheur. Apparence 1000 sim. Putain, il y a plein d'apparences 1000 sim. Russian FGF1. L'air pas mal. Ouais. En gros, un vrai soldat. Quoi. Ouais, ça va. Un soldat russe. Plan mitrailleuse Alpha Hair. Tout en noir gris comme ça, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est sombre, autocollant réalité macabre. Une heure de double XP. 100 points de code. Ah ouais! Apparence de véhicule oiseau de feu. Oh! Ah, celui-là, il est très bien. Putain, dommage que les camouflages des véhicules, ils bougent pas, tu vois. Parce que franchement, ce serait stylé que
C'est un phénix, on dirait. Ce serait bien, un oiseau de feu. Ce serait bien qu'il soit animé, tu vois. Mais franchement, déjà, il est super stylé. C'est ce que je vais mettre sur tous mes véhicules, je pense. Alors, plan fusil tactique Alpha Fouineur. Alors là, basique, hein. On casse pas la baraque. Hein. Carte de visite hélicoptère détruit. Ok. Jeton double XP d'armes 45 minutes. Emblème raid aérien. Ok. Alors, apparence reine, soldat. Oh, putain, il a l'air stylé quand même ça. Bon, bof en fait. Vite fait, vite fait. Sur l'image, il a l'air plus stylé. Putain, c'est quoi ce petit sac à dos, wesh? Regarde, sur l'image, il a l'air de tout défoncer sur l'image. Alors, un plan, fusil de précision, bravo, rivage. Ok, let's go. Qu'est-ce que c'est que ça, ce bleu? C'est moche! C'est moche! 100 points code, ok, 15 minutes de double XP. Ouh, le petit cigare cubain en porte-bonheur brûlant. Pas mal du tout, j'aime bien. Un plan d'armes. Mitraillette hôtel, renard d'argent. Waouh, tout en blanc comme ça. Ouais. C'est pas ouf, hein. En plus, ouais, c'est pas ouf. Alors, autocollant sur l'aile, ok. Consommable, jeton de 10 XP d'armes de 1 heure. Un spray, putain, c'est quasi le même que l'autre. Toujours prêt, ok. Plan, fusil à pompe Delta, ligné. Ouf, il a l'air bien, celui-là. Il a l'air pas mal du tout. Ah bah non, en fait. Sur l'image, il avait l'air mieux. Celui-là, il est pas ouf, hein, je trouve. Ah, j'aime bien les petites couleurs rouges, mais sans plus. Alors ici, on a une apparence de Iskra. Iskra. Arrêt d'urgence. Putain. C'est moche, une meuf sans cheveux. Non, mais t'es une meuf et t'as pas de shampoing? Non, mais allô, quoi. Par contre, regardez-moi cette taille fine. Regardez-moi ce petit boule, là. Qu'est-ce que... Oh, oh my God. Oh my God. Regardez-moi ça. Oh my God. Oh, le boule. Oh my God. Bon, après, la tête, faut lui mettre un sac, hein. Allez, c'est parti. Consommable, point code, let's go. Carte de visite, territoire hostile. Alors, une montre sortie. C'est une montre sans cadran, quoi. C'est quoi cette histoire? Ah ouais, non, mais c'est un peu what the fuck, ok. Emblème, armory. Ouais. Plan, mitrailleuse, foxtrot, embrassement du phoenix. Alors, j'espère que... Avec le nom, j'espère qu'il est bien. Putain, elle pue la merde. Hein. Oh, mon dieu, c'est ça le phoenix? Ben putain, qui va me laisser cendre, wesh. Alors, consommable, jeton double XP de 1 heure. Ok, let's go. Oh, un petit porte-bonheur rancunier. Il a l'air pas mal, hein. Avec son petit couteau, là. Ouais, il a l'air pas mal. Consommable, point, 100 points de code. Autocollant, hop light. Alors, au palier 100, vous débloquez l'apparence de Price Crépuscule. Je vous ai pas montré l'apparence de Chris de base. Ok. Agent Price. Ok. Silence radio. Let's go. Je vais vous montrer d'abord vite fait l'apparence des deux premiers persos que je n'ai pas montré. Voilà, je pense que l'apparence de Price comme ça est vraiment beaucoup mieux que celui du palier 100. J'ai l'impression que personnellement, je kifferais plus celui-là. C'est quoi son sac à dos? C'est assez bizarre qu'ils ont des petits sacs à dos comme ça, là. Ils vont à l'école, quoi. Moi, j'aime bien son béret, enfin, son chapeau. Non, franchement, je l'aime bien de cette variante-là. Alors, lui, Rodian. Alors, lui, c'est vraiment du SWAT 100%, quoi. Ok. Cagoule et tout. Ouais, ça peut le faire. Par contre... Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais en tous les cas, moi j'ai l'impression que celui-là, il est beaucoup plus badass que celui-là. Enfin, je vais le revérifier, mais... Non, je sais pas, j'aime pas trop. En fait, sans son chapeau, Captain Price, c'est plus Captain Price, quoi. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors là, un plan d'armes de fusil d'assaut, kilo, émissaire. Alors là, ah ouais. Alors là, celui-là, il est bien. Celui-là, il est vraiment bien. En or avec du noir, c'est un super beau mélange. Ça fait super classe. En plus, même la bouche de l'arme, regardez-moi ça, elle est avec des petites rigures en or. Pff, badass. What the fuck, man?
Apparence du véhicule, le monstre vert. Alors là, oh, alors là, j'ai une hésitation avec l'oiseau de feu. Hein. L'apparence oiseau de feu, il était bien, mais là, tout en vert. Oh putain, ça a l'air de déchirer. Je sais pas si on peut vraiment choisir les apparences de chaque véhicule. J'aimerais bien, parce que je mettrais bien le buggy en monstre vert et l'oiseau de feu rien que pour l'hélico, tu vois. Et le monstre vert pour tous les véhicules, franchement trop badass. Saison 4, emblème. Ah ouais, pas mal. Après, je préfère l'emblème de la saison 2. Franchement, il est toujours trop badass avec Ghost. Donc voilà, franchement, je note une petite note de 1 à 10. Je donne un petit 2, 3, voilà, 3 sur 10. Non, je rigole. Franchement, c'est pas ouf. Hein. La saison 3 était pas ouf. Enfin, question de passe de combat, elle était pas ouf la saison 3. Je pense que la saison 4 est quand même mieux. Déjà, il y a Captain Price. Déjà, rien que pour ça, c'est déjà mieux. Donc, je pense que j'avais donné une cote de 6 sur le pass de combat de la saison 3. Et là, je donnerais... Enfin, 6 ou 7 sur la saison 3. Et là, je donnerais peut-être un 7. Ouais, un 7. Un bon 7. Un 7 et un petit 8. Voilà, un bon 7 et un petit 8. Par contre, le pass de la saison que j'ai kiffé le plus, c'était la saison 2 avec le Ghost. Moi, c'était vraiment le pass que j'avais kiffé. Et que j'ai même payé des paliers. Parce que je voulais absolument les 100 paliers et j'avais pas réussi à les avoir. Donc j'avais même payé les derniers paliers pour avoir Ghost. Franchement, celui-là, je donnais facilement un 9. Un bon 9. Celui-là, il est pas ouf. Enfin, il y a 2-3 variants qui sont pas mal. J'avoue qu'il y a 2 camouflages. Allez, je lui donne un 8, franchement, parce qu'il y a 2 camouflages de véhicules. Et c'est ce qui manquait, des camouflages de véhicules. Après, il faut les payer, sinon, si tu veux des putains de camouflages. Allez, un 8, facile. Un 8, facile. Le Captain Price. Donc voilà, j'ai fait la petite découverte du pass de combat de la saison 4 de Warzone. Donc la mise à jour est disponible, hein, sinon j'aurais pas pu faire cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger la mise à jour. Elle fait 35 Go sur PlayStation 4, je crois, et plus sur les autres plateformes. Donc voilà. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vais vous dire à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur Cool Mec et ciao. Peace out.